micro na mama na mtoto kisha tutaverifie kama mtoto iko naona. Me utatuambia kama mtoto alimaliza muda fulani, muda gani na hayaona tu. Amen. Kweli ni ushuhuda yonyo nilijionea na macho yangu. C'est un témoignage que j'ai vu de mes yeux. Nashukuru Mungu juu nilalaka munyumba. J'ai passé la nuit dans la maison. L'enfant était vivant avec ses frères. Le matin, l'enfant s'est réveillé avec. Une semaine, on l'a amené à l'hôpital. On a vérifié. Le docteur a dit que l'enfant n'est pas malade. Deux semaines après, deux semaines, l'enfant ne voyait pas. Et les médecins avaient déjà prouvé qu'il n'a pas trouvé d'anomalie, mais jusque-là, l'enfant était aveugle pendant deux semaines. C'est ainsi que la sœur m'a témoigné qu'il fallait que je l'amène là où on devait prier pour l'enfant. Endelea. La sœur nous a dit, on peut l'amener chez les serviteurs pour qu'il prie pour l'enfant. Il était 15h, on est allé chez les serviteurs. Kama Mungu anafanya kitu, muna faire sambla na binye mutaombaka hata bibafanyiziaka. Mungu hakulaki, haombake franga. Kuna franga tulibaomba fre, kuna kitu tulibaombaka. Sasa, chukrani ni za Mungu anazipokea, tuna avanse. Okay. Tulimufikisha kwake saa kenda mchana akamuombea. A 15h on est arrivé chez les serviteurs, il a prié pour l'enfant. Lakini mbele kumuombea alitulizaka, hamuyamupitisha ku bengine batumishi wala bengi baganga, tukasema hapana. Il nous a demandé si on était parti chez les autres serviteurs ou ailleurs, on a dit non. Akatuambia mimi natamuombea lakini nyewe bazazi yake mkuwe na imani, mimi naombaka Mungu anaponya. Il dit je vais prier mais vous devez avoir la foi parce que c'est Dieu qui guérit. Kweli mtumishi aliombea mtoto tukarudia kunyumba. Il a prié, nous sommes rentrés à la maison. Kupika kunyumba nyuma ya juma mbili, juma moja, ndio ya tatu sasa mtoto saa mtu anapita anaanza ona giza mmecho kunapita na kufuatisha. Une semaine après, ce qui faisait déjà 3 semaines sans que l'enfant ne voit, l'enfant commençait à voir quelques ombres parcourir devant ses yeux mais sans bien voir. Troisième semaine d'aveuglement. Mtoto sali tuliona naanza fuatisha mtu mecho hivi tukakuwa na imani tukasema kumbe mtoto wetu ataponaka. Quand on a vu que l'enfant pouvait vous suivre votre ombre, on a compris que finalement l'enfant pourra arriver à regarder. Nyuma pale mamake akaanza muuliza uko naona kitu fulani? Sasa ndio niko nakiona. Uko naona sahani niko naiona. Wendu ilete. Anashimama nende ikamata na ile. La mère commença à lui dire est-ce que tu vois? Oui, tu vois l'assiette? Oui, est-ce que tu peux m'amener? Oui. Et l'enfant commençait à aller maintenant récupérer les petites choses qu'on pouvait lui envoyer. Alikuwa nenda kuwese na wanamukamata. Tangie ile siku sali anza ona sahani anakuwa naanza jipeleka kuwese. Avant l'enfant pouvait aller à la toilette, était accompagné de quelqu'un, mais quand il a commencé à voir, l'enfant pouvait maintenant aller de soi-même sans qu'il ne soit accompagné. Elle ne soit accompagnée. Akaendelea vile sasa mtoto wangu iko naona Mungu apewe. L'enfant maintenant regarde que Dieu soit béni. Mama, kuna binyo utaongeza? Kuna binyo utaweza ongeza? Kidogo. Asante kwa Yesu. Patia mama. Bienye papa kusema ndivyo useme. Bienye nao ungesikia. Bienye uliaidia Mungu kusema o. Useme tu vile utaongozwa. Shalom. Shalom, shalom. Nashukuru Mungu juu hapa kuko Mungu mzima. Je remercie Dieu parce qu'il est présent parmi nous. Nikuwa natembelea Mama Jolie. J'ai visité des fois la sœur Mama Jolie qui adore ici avec vous. Nikuwa nazoeana naye kwa njia ya uchuruzi. J'étais habitué à elle dans des activités commerciales.
Ce jour-là, j'ai dit avec Maman Jolie, laisse-moi aller la visiter. Arrivé, j'ai dit à Maman Jolie, j'ai une tentation. Grande tentation qui me dépasse la foi. J'ai une enfant. Elle est devenue malade. Je l'ai amenée à l'hôpital. On n'a pas trouvé de maladie. Comme toi aussi tu pries, est-ce que tu peux m'aider à la prière? Je ne sais pas comment me comporter. Toute assistance pour moi me serait utile. Elle m'a porté chez les serviteurs de Dieu. Arrivé, je me demandais, crois-tu que l'enfant sera guéri? Je dis oui, j'ai la foi. Si l'enfant est guéri, est-ce que tu vas donner gloire à Dieu? Je dis oui. Il a prié pour l'enfant. Il dit, n'aie pas peur, l'enfant sera guéri. Arrivé à la maison, l'enfant commençait maintenant à voir des ondes. J'ai demandé, est-ce que tu vois, mais... Je remercie Dieu pour le travail que Dieu a accompli. Que Dieu vous bénisse pour le travail. Que Dieu vous bénisse. La fille elle-même parle. Parce qu'elle avait promis que si je serais guérie, je parlerai. Je remercie Dieu parce que j'ai recouvré la vue. Batu benye batakuwa na kufuru, oh, banaombea katu batu benye banajua. Papa, ulikuwa kushaka niona, ulikuwa na nifamia, ulikuwa na niyua, ulikuwa na niyua mama. Seko nisepa. Oh, banaombea katu benye banayua tu purke bapate mashuhuda, mutakufuru. Dada jipe moyo sema tu. Kuna wakati Mungu anakutendea kitu nakosa maneno. Basi, tutamuliza tu kama iko naona tu, inatosha. Pii, jikaze basi, kamata mikro. Angalia, nini hii? Tia kumikro, tia mikro. Nini hii? Ni montre. Ni montre. Maana yake nini? Saa. Mulete kitu yengine. Yengine nini hapa? Biblia. Nini ile? Sasa c'est quoi? Biblia. C'est la Bible. Ok, très bien. Ça, c'est quoi? Chapeau. Les chapeaux. Dernier examen. Ça, c'est quoi? Bic et les stylos. Qu'est-ce que vous voulez? Mettons-nous debout pour remercier le Seigneur. Nous sommes en train de nous faire.